Les choses où... Non, mais parce que ça me serait d'être sur une défaite. Donc, moi, je te dis, on est en 2016. Donc, imagine, je suis en temps 1316, par exemple. Je suis en 1316. Eh ben, c'est juste avant nous. Enfin, c'est 1300, 1400, 1500, 1600. Mais après ou avant l'ère des dinosaures? La Deuxième Guerre mondiale. 39-45. Voilà, donc t'attends 45. C'est bien. Je savais qu'il y avait un 45 quelque part. Voilà. 39, 45. 6 ans de guerre. 6 ans de guerre. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi long une guerre. Je pensais que c'était un mois ou deux. 7 et 3, Fonji, c'est pas 11 en fait. Depuis quand 7 et 3, ça fait 10. Mais je le sais, mais elle a dit font 11, font 11. 7 plus 3, 10. Ben oui, mais ça va. Mais non, mais Steph, c'est quoi ces questions? Je suis en 1316. Eh bien, c'est juste avant, non? Enfin, c'est 1300, 1400, 1600, mais après ou avant? Je le sais, mais elle est du fond de l'eau, du fond de l'eau, 7 plus 3, 10, ben oui! Mais ça va, non? Mais non, mais Steph, c'est quoi ces questions? Thank you.
Thank you.
et tu le laisses là, ou je te mets une droite dans tes dents, t'as plus de dents. Oh. Ok, ou tu sors maintenant. Okay. Allez. Hey, tu vois là, c'est la dernière fois que tu le fais. Mais pourquoi tu déplaces mon panier en osier? Oh, ton panier, il n'y a rien dedans, ton panier, c'est juste... Mais c'est moi, mes affaires sales! Oh, ben oui, il n'y a rien dedans, ton panier, il n'y a rien dedans. J'étais en haut, ça va? Et lequel de haut, t'étais? Arrêtez de mentir, j'étais tout en haut, je suis à propos de la boîte, arrêtez de mentir. Je me suis en bas, vas-y, arrête de rigoler. Oh, la vie de la merde, je vais tout faire. Vas-y, tu es rentre, allez, c'est bon. Les lions attendent la tombée de la nuit pour se mettre à table. Maintenant qu'ils sont plus grands, les petits vont avoir l'occasion de participer à une vraie chasse. Les buffles se présentent au combat, armés des cornes les plus lourdes et les plus meurtrières du royaume animal. Première leçon, apprendre à repérer la cible la plus facile. Quand les grands mâles resserrent les rangs, le troupeau est pratiquement invincible. Les animaux qui restaient cachés ou cantonnés autour des rares points d'eau qu'ils pouvaient trouver sont à nouveau libres de vagabonder pour s'alimenter et s'accoupler. C'est le retour du baby boom annuel. Oui, bonjour, je vous appelle parce que mon robot de compagnie est défectueux. Il a pris la télécommande et il a changé de chaîne, donc je pense qu'il y a un problème. J'aimerais avoir des réponses assez rapidement, s'il vous plaît. Merci. Les zèbres se mordent et se donnent des coups de sabot. Celle-ci agit à son habitude et mène l'attaque. Après plusieurs charges fictives, ils réussissent à isoler un jeune buffle. Seront-ils capables de participer à une attaque coordonnée et de prouver au buffle qu'ils ne plaisantent pas ?